Les championnes. Et on va commencer avec Alix. Je sais même pas quoi dire. Facile. Très facile. Oh là là. Non, bah, je crois qu'il s'est passé beaucoup, beaucoup de choses dans ce match. C'est ça. Je pense qu'on commence pas très bien le match. Voilà, moi, j'étais un peu en dedans. Il me manquait peut-être un petit peu d'énergie. Un peu... En fait, j'étais évidemment très excitée, contente de jouer ici, chez moi. Et du coup, je voulais canaliser ça. Et du coup, peut-être que j'étais un peu trop calme. Et il m'a manqué ce petit point d'énergie. Et je pense que j'ai réussi à remettre en deuxième. On a réussi du coup à mettre plus d'intensité, à faire un peu plus de choses. Et voilà, et au deuxième, je pense qu'on joue très bien. Au troisième, bah voilà, il se passe cette fameuse balle là qui est très très douteuse. Moi, je la vois vraiment faute. Peut-être que je me trompe, mais je la vois vraiment faute. J'arrête le point, ce que je dois pas faire. Et finalement, bah voilà, on perd le jeu. On sauve 3 balles de match. Enfin voilà, il s'est passé de tout quoi. Et voilà, et toutes merci les au émotions. Public d'avoir été là, d'avoir nous avoir soutenus sur la fin de match comme ça nous a beaucoup beaucoup aidé. Et voilà, bah, je crois que gagner un match en s'envoie 4 balles de match, on peut dire qu'on est un peu rescapé. Donc voilà, on va essayer demain d'aller chercher notre victoire. Et si on peut gagner plus facilement, je prends quoi. En même temps, est-ce que la victoire elle aurait pas été aussi belle si t'avais pas arrêté cette balle et qu'il y aurait eu break et qu'il y aurait eu discussion? Ouais. Elle aurait pas été aussi mythique. Bah, c'est vrai que là, elle a une saveur particulière la parce victoire que encore plus belle. C'est des montagnes russes quoi. À chaque fois qu'on était bien, on faisait 2-3 fautes qui nous remettaient un peu dedans, enfin en dedans plutôt. Et voilà, c'était un petit peu les montagnes russes, et même au niveau émotionnel. Et bah, voilà, il fallait gérer ça. Et je pense que bah, on l'a un petit peu mieux géré que les autres aujourd'hui. C'est pour ça qu'on s'en sort, mais c'est sur un fil quoi. Un de palabras, un poquito. Hola. Hola. Merci beaucoup. Non, un poquito de flamenco. Merci beaucoup à tous les mots pour venir aujourd'hui. Olé. Et ya. Et ya. Merci. En espagnol o... Sí, un poquito. Un poquito. Pues. Vale. Dime tú, ¿cómo te sientes ya? Pues la verdad es que no sé lo que ha dicho Alix, lo siento si repito lo que ha dicho porque no lo he entendido en francés, entiendo muy poquito. Ha dicho que pasan por todas las emociones durante el partido, habla de la bola que se acabó de jugar también. Sí, yo en esa bola he discutido un poco con el árbitro porque creía que de la posición que en la que está es imposible que dé un o sea, una decisión clara. Entonces, creo que ha sido un momento difícil que hemos sabido gestionar muy bien porque encima hemos sacado 2 o 3 bolas de partido en contra y hemos sabido reponernos de esos momentos, las chicas han jugado muy bien, sí. O sea, era un partido durísimo, sí. Y lo hace más duro todavía ese momento emocional, pero lo hemos sabido gestionar muy bien y bueno, después de no sé cuántas horas de partido hemos conseguido ganar, cuatro, pero... ¿no? Casi tres, ¿no? Casi tres. ¿Qué hora es? 3 horas. Casi tres. Así que bueno, pues muy cansada. Y nada, reponerse para mañana. Listas, ¿no? Sí. Mañana sí. Fisio. La familia. Muchos fisios. Dormir, manger. Eso sí. Manger très bien. Estás en Francia, te puede. Muy bien. Pues sí. Bueno. Merci. 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 Désolée, j'ai un peu retardé le cours central non, du coup. Non. Ah non, remarque, c'est à l'heure. Non, franchement, les gens étaient contents. On a eu les seuls qui se sont plaints, c'est 2 Belges. Ah. Tu vois, qui voulaient juste voir les Belges. Ouais. Sinon, tout le monde avait envie. Regarde, on a quel match de fou, quel match de dingue. Félicitations, bravo les filles. L'arrêté, c'est que moi aussi j'ai envie de voir Clément. Tout le monde a envie. Tout le monde a envie de voir ce match-là. Bon, merci à tous, merci d'avoir suivi et à demain pour de nouvelles aventures. À demain.